dans cette recyclerie à Metsavir. On s'emploie à donner une deuxième vie à des objets initialement destinés à la poubelle. Saïd et Rodolphe se consacrent, eux, à l'électroménager. On a complètement vidé une machine qui ne marchait plus. On a complètement sorti le moteur, les pièces, pour le remettre sur une autre armature, comme ça. Donc on l'a complètement refaite. En 5 mois, 4000 objets ont ainsi été sauvés de l'enfouissement. L'association Initiativa est un partenaire de la communauté d'agglomération du pays ajaxien pour le dispositif Zéro Déchet, Zéro Gaspillage. On a vraiment tout public qui vient à la boutique, à la fois des gens qui sont là plus pour le côté purement financier, parce que c'est vrai qu'une machine à laver à 30 ou 40 euros, c'est difficile à trouver. Et il y a aussi des gens où c'est vraiment la seconde vie du produit et plus idéologique. Ce restaurant fait partie des établissements proposant des doggy bags aux clients. Si cela induit un comportement nouveau à Ajaccio, les mentalités évoluent. Ça reste, je dirais, une moitié de pizza. Alors, les gens sont moins gênés que de demander un plat de pâtes. Bon. Maintenant, à partir du moment où on leur propose la boîte, on leur montre et qu'on leur dit que c'est facilement emballable. Et ils peuvent partir avec tranquillement. Il y en a qui le font. À la CAPA, au-delà des 1400 procès-verbaux dressés en 18 mois par la police environnementale pour des déchets jetés sur la voie publique, le but est surtout de faire de la pédagogie et de lutter contre l'enfouissement. L'objectif, à moins de 10 ans, je le dis, à moins de 10 ans, aujourd'hui la Corse c'est presque 80% d'enfouissement, c'est d'arriver à un enfouissement de 10 à 15%. C'est ce qui est prôné au niveau du continent européen. L'opération Zéro Déchet, Zéro Gaspillage est faite en partenariat avec l'Agence de la Maîtrise de l'Énergie et l'Office de l'Environnement.